André Bédard. Je veux savoir s'il y a une loi concernant les animaux qui jappent sans arrêt, que tu n'es pas capable de sortir devant chez vous parce que le chien gros dans la fenêtre, puis tu n'es pas capable de rien faire, puis parce que les gens ne les mettent pas dans des cages ou ne les mettent pas dans le sol. Je veux savoir s'il y a une loi pour ça. Nuisant. Dans les nuisances. Parce que c'est vraiment nuisant, là. Je ne suis plus capable d'aller en avant de chez nous. Là. On a des nouveaux propriétaires en avant, là, puis dès qu'on se pointe la face, ça se fait sans arrêt. Là. Il est dans la maison, capable de, dans d'être maison, en avant. Mais... La maison en avant, je ne suis pas capable de s'asseoir en avant. Là. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Dès qu'il Est-ce que vous avez essayé d'en parler avec votre nouveau voisin? Non, mais je n'irai pas me battre avec le voisin. Non, mais juste, mettons, il demandait d'une façon freinée. C'est plus radical. Il y a un règlement sur les nuisances. Parce que ce que je suggère, c'est d'appeler la Sûreté du Québec à ce moment-là. C'est eux autres qui appliquent un nouveau règlement. Sérieux, là? Ben, la police. Vous pouvez venir le rencontrer Guillaume, donner l'adresse. Oui, puis quelqu'un passe, parce que même Guillaume va passer, puis il va se mettre devant la maison, puis le chien ne réglera jamais là, pendant 2-3 heures. Ouais, on peut à votre place faire une première approche. Je viens de dire que c'est une bonne idée. Est-ce que je n'appellerai pas la police pour un chien qui jappe? Ben... On va y envoyer une boule de steak à chef. On a-tu la madame, qui... Non, mais c'est vrai, là, c'est fatigant. On n'est plus capable de sortir un avant de la maison. Là. On n'est plus capable depuis que son propriétaire est avant. C'est deux chiens pas. Sans arrêt. C'est deux petits chiens, là, puis... Sans arrêt. C'est des pires. Ben, écoute, donner des informations à Guillaume, puis on... Je vais aller voir. La deuxième question. Combien vous avez donné à Mario d'Aragon? 10 mois de salaire. 10 mois de salaire. Fait que le truc qui est en train de shiner dehors, là, le gros pick-up bleu chez eux, c'est moi qui paye. Oh, il vient de s'acheter un gros pick-up, là, flambant nul. Là. Là, il reste pompier pareil. Là, autrement dit, tous les citoyens qui sont là, là, ça nous coûte peut-être 200$ de nos poches pour y payer un pick-up flambant nul. Écoute, puis il est encore pompier. Oh, il est encore pompier. Écoute bien, le type de gestion. Mais pourquoi tu ça lui enlève rien de sa job de pompier? Ça. Je sais, il était incompétent, on l'a enlevé de là. Pourquoi qu'on paierait quelqu'un qui était incompétent et on le laisse encore? C'est votre opinion, ça, M. Bédard. Ben, c'est parce que vous l'avez enlevé de là, c'est parce qu'il y avait un conflit entre les pompiers. Oui, mais c'est ça, c'est qu'il était trop proche. Là. Quelqu'un qui était trop à l'intérieur, trop proche de l'équipe. Mais pourquoi qu'on lui donne 10 mois de salaire pour ça? Parce qu'on avait un contrat qui finissait en fin 2016. Oui, je lis le contrat à maison. Mais c'est pas stipulé dedans qu'on lui donne de l'argent, là, parce qu'il s'en roule. Non, mais c'est pas stipulé qu'on peut résilier le contrat non plus. Fait que c'est une entente. C'est une négociation. Une négociation qu'on a eue, puis on en est venu à cette entente, puis c'est tout. C'est lui qui met fin au contrat. C'est ça que les citoyens n'acceptent pas. Ben, c'est pas c'est lui qui met fin, mais il demande à être éligible pour être lieutenant, puis rester pompier. Puis moi, du jour au lendemain, il est supposé être malade, puis il est supposé démissionner. Je le vois se promener avec son gros duster, là, boum, 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 boum. Puis là, aujourd'hui, je le vois chez eux avec son gros pick-up en banlieue. Là, c'est qui paye pour tout ça? Là? Le gros pick-up, c'est-tu nous autres, les citoyens? Il y a quelqu'un qui va m'enlever 300$ de mon compte de taxes? Pour y avoir donné ça? C'est lui qui s'est payé ça. Moi, je suis au courant de l'entente. Après ça, ce qu'il a fait avec, je ne peux pas aller plus loin que ça. C'est bon, merci.